Qui est responsable? Et ce déménagement-là, si nous ne prenons pas acte pour que les choses se passent avec précaution, beaucoup vont perdre. Donc à cela, on ne veut pas que cela soit ainsi. Et aussi, nous avons beaucoup de jeunes gens. La majorité ici, de ces jeunes qui travaillent ici à la CAS, on peut dire qu'il y a 5000 jeunes, sans compter ces maîtres artisans ferrailleurs. Donc à cet effet, nous ne pouvons pas les permettre de partir comme c'est de la bétail. Nous voulons réellement que cela se passe dans la paix. Et j'exige que cela se passe dans la paix. Et c'est pour cela que j'ai demandé à M. le maire qui se retire avec la police municipale pour qu'on puisse lui donner un temps mis et lui dire quand est-ce que les ferrailleurs vont partir sur le nouveau site. Oh, oh, M. le maire, la situation est très dense. Ouais. Oh, oh. Voilà, allez-y. Jenny. Allez. Ça passe. Nous avons été ici approchés tout de suite par les responsables de la CAS. Ils viennent de nous dire qu'ils ont mis en place un comité pour faire le déménagement sur le nouveau site. Ils nous demandent de leur accorder un bout de temps. Donc nous avons demandé à nos forces de se retirer le temps où ce comité de se concerter et de commencer le déménagement sur le nouveau site. Et je le dis, il faut que chacun de nous respecte sa parole. Ouais. J'avais promis que j'allais commencer aujourd'hui et nous avons commencé aujourd'hui. Si nous nous mettons d'accord sur la prochaine date et avant cela, si nous ne sent pas un début d'exécution, on sera obligé de venir. On sera obligé de venir. Alors, et cette fois-ci, jusqu'à quand comme ça? Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures. Ils m'ont donné 24 heures, mais moi je leur donne 48 heures. De négociations. Voilà, jusqu'au 15, qui me disent qu'en est-il exactement et où on va.